Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour Baby Yoda, la partie 3. Écoutez, je sais pas trop dans quelle zone que je vais aller travailler. Je vais avancer un petit peu la question, là, que ce soit plus droit. Donc, je vais venir jouer dans ce coin-là. Je vais venir avancer un petit peu du blanc et tout, là. Je vais replacer ma caméra, la question que vous voyez mieux ce que je fais. Je voulais juste vous montrer là. Attention, je veux pas que vous ayez mal au cœur. Je voulais juste vous montrer là, ce que j'avais de fait là, dans le bas. Je suis vraiment venue avancer cette partie-là ici, là. Vraiment là, plus là et tout ça ici. Donc, je crois là, que je vais venir travailler dans ce coin-là. Et puis, je vais venir en mettre un petit peu ici. Donc, attention, je ne veux pas que vous ayez mal au cœur. Wouhou, ça tourne. Bon, on se rapproche. Tiens, comme ça, je crois que c'est quand même bien. Puis, je vais allumer la lumière dans mon bureau. Bon, vous allez voir un petit peu mieux. Bon, bon, bon. Donc, je vais commencer avec les petits J parce que j'en ai beaucoup ici, là. Bon. J'ai Cachot couché en avant de moi. Il est venu sauter au-dessus de ma toile. Ça paraît. Il y a un poil à Cachot. Si je suis capable de l'enlever. Bon. Et j'ai vraiment de la misère. Il est vraiment collé là. Et c'est toi. Bon, je l'ai eu. Parfait, donc je commence avec les petits J. Un petit beige. Un petit beige crème, là. Donc, voici les petits J. J'en ai quand même beaucoup à venir faire ici. Aujourd'hui, journée pluvieuse, journée sombre. Il y a vraiment beaucoup de nuages, donc. En ce temps-là, là, on est plus fatigué un peu, on a moins d'énergie. Je me sens un petit peu comme ça aujourd'hui, je me sens vraiment plus fatiguée. Là, présentement, bébé Miko fait une sieste, donc j'en ai profité, là. Mon copain est parti aussi, là, donc j'en ai vraiment profité pour sortir mes choses de Diamond Painting un peu et puis avancer ma toile parce que, bon, là, j'ai vraiment de la misère à faire ce que je veux faire dans une journée. J'ai le bébé raton à m'occuper. Ça, c'est pas un problème. Ça va très bien. C'est au niveau de lorsque j'ai du temps de lousse, quand il fait dodo. Il y a toujours quelque chose. Donc, c'est ça. Là, je souhaitais faire une vidéo tout à l'heure. J'ai pu avancer un petit peu ma toile. Je voulais filmer aussi, mais là, c'est ça. Mon copain écoutait des vidéos juste à côté de moi. Donc, là, ça ne me tentait pas nécessairement que vous entendiez. C'est ça, les vidéos qu'ils écoutent là, en background, c'est moi que vous écoutez, là, c'est moi que vous devez bien entendre. Donc, c'est ça, c'est pour ça là, que je faisais pas de vidéo. Puis je sais pas pourquoi, on dirait que j'aime pas ça non plus là, quand il est comme juste à côté faire des vidéos. Je sais pas, on dirait là, que je suis bien quand je suis toute seule devant ma caméra. Je vous jase ça et tout. Sinon, on dirait, je sais, c'est con, c'est mental, mais on dirait que ça me met comme vraiment une pression. Puis là, j'oublie des choses que je veux vous dire. Je fais des gaffes. J'aime comme pas ça. Parce que, bon, je sais qu'il est à côté. Puis que c'est ça. Il écoute comme tout qu'est-ce que je vais dire. Puis, je sais pas. On dirait que ça me met comme un stress. Comme s'il y avait quelqu'un qui m'évaluait, exemple. T'sais. Mais je sais que c'est tellement pas ça. Mais je sais pas. Moi, c'est ça. J'ai un peu de misère avec ça, là. Donc, j'aime mieux faire mes vidéos, là. Lorsque je suis seule, ou bien. C'est ça. Lorsque c'est tranquille autour, donc ces temps-ci, c'est assez rare. C'est ça. Puis là, aujourd'hui, je suis comme un petit peu. Je suis fatiguée. Bon, il revient. Il n'a pas été parti longtemps. C'est ça. Il y a comme toujours quelque chose à faire. Il y a toujours. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas assez de 24 heures dans mes journées. Mais bon. Ah, c'est ça. J'ai pas fait une vidéo aujourd'hui pour me plaindre. J'ai pas fait.
Moi, je suis là pour mettre du soleil dans vos journées. Je suis là pour vous partager ma bonne humeur. Donc, c'est parti. Mais c'est ça. C'est juste une petite parenthèse pour vous dire là, que je rush un peu ces temps-ci. Puis, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment du bien de vous parler, de vous avoir là. On dirait là que, ouais. Parce que c'est ça. Des fois, je parle et. Disons que, pour faire un petit résumé vite fait, moi, j'écoute beaucoup. J'ai beaucoup de personnes qui me parlent et puis, bon, je suis toujours à l'écoute. Sauf que lorsque c'est moi qui ai besoin d'être écoutée, parfois, je peux vous dire que c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui est à l'écoute. Donc, ça me fait extrêmement du bien de vous parler, c'est ça, de faire mes vidéos et tout, là. J'ai vraiment. Avec tous les commentaires que vous me laissez et tout, sérieusement, là, ça me fait un énorme bien. Vous ne pouvez pas savoir. Et c'est pour ça là, que je tiens vraiment à vous dire merci. Merci d'être là. Merci de continuer à m'encourager. Merci de me laisser plein de commentaires et tout. Sérieux, tu sais, vous dites souvent que je mets du soleil dans vos vies, qu'avec ma bonne humeur communicative et tout, mais sérieusement, c'est vous autres qui me la donnez, mes abonnés, c'est vous autres qui me donnez ma bonne humeur, parce que c'est ça, me fait comme énormément de bien, là, ce que je fais là, ça m'apporte vraiment, ça m'apporte quelque chose. Et puis, c'est ça, je voulais faire une petite parenthèse pour vous remercier. Bon. Et puis, je veux remercier aussi là, mes abonnés qui m'envoient là, des stylets par la poste et tout, là. Oh Seigneur, vous me faites tellement plaisir, là. C'est vraiment. J'en perds mes mots. Écoutez, je suis là, puis je cherche comment m'exprimer. Puis, je rush, j'ai de la misère tellement que les mots me manquent. Je suis comme tellement pas habituée. J'ai comme toujours été habituée, moi, que c'est. Moi qui donne toujours, toujours, toujours. J'ai jamais été habituée dans la vie de recevoir. Et oui, j'ai un grand cœur et c'est ça, il y en a beaucoup qui en ont profité. Aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de difficultés, mais quand même, je me fais quand même encore avoir parce que c'est ça. J'ai un grand cœur, je suis fine, j'ai de la misère à dire non et c'est ça. J'ai toujours été habituée de un peu me priver, si on veut, pour le bonheur des autres. Un peu. C'est quelque chose qui fait pas mon affaire, mais bon, j'endure. Et puis, si les autres autour sont heureux, puis ça fonctionne comme ça. Tu sais, j'ai toujours été habituée un peu en bon langage de fermer ma gueule. Et puis, c'est ça. C'est vraiment, là. Vous me faites vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et vous me gâtez énormément. Écoutez, c'est incroyable. J'en ai beaucoup aussi qui m'envoient des messages privés, qui m'écrivent sur ma page Crochetière sur Facebook, vous m'écrivez sur Messenger, écoutez, c'est ça. Vous faites tellement ma journée là, quand que vous m'écrivez des petits messages et tout, là, je suis comme tellement contente. Et puis, écoutez, j'ai développé des amitiés, j'ai connu des. Ça a commencé par des abonnés, ensuite on a pris contact sur Messenger. Et puis, bon, écoutez, quand vous prenez de mes nouvelles et tout, là, ça me fait tellement, tellement plaisir, là. Et puis, c'est ça. Lorsque vous m'envoyez des petits colis, des petites choses par la poste, là, oh mon Dieu, hey, vous, écoutez, vous savez même pas à quel point que ça peut être apprécié, à quel point que ça change vraiment, vraiment beaucoup de choses pour moi. C'est vraiment une grosse, grosse marque de reconnaissance. C'est vraiment une grosse façon de dire aussi là, que vous m'appréciez beaucoup. Et c'est ça, comme je vous disais, moi, je suis comme tellement pas habituée de recevoir. J'ai toujours été habituée de plus donner. Que c'est comme tellement différent, ça me fait comme tellement du bien, je suis tellement contente. Là, enfin, je peux comprendre aussi là, le sentiment des autres autour lorsque moi je donnais, je donnais, je donnais. Enfin, c'est moi qui se fait gâter. Non, je fais bien des farces, là, mais c'est ça. Des fois, là, je suis là avec la petite larme à l'œil, puis je suis émue tellement que je suis contente. Les petits haches, un verre kaki. Donc, c'est ça. Je voulais vraiment faire une petite parenthèse dans une de mes vidéos là, pour vous dire un énorme merci. Écoutez, je vous le dirai jamais assez.
Là, ça me fait du bien, là. Je suis en silence, je suis tranquille. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas eu beaucoup de moments de tranquillité comme ça cette semaine, donc, et puis même depuis les 2-3 dernières semaines, donc ça me fait comme tellement du bien, là. Je fais mon diamond painting, mais des fois, je suis comme pas capable d'être tranquille, de me reposer vraiment, là, de pouvoir faire mon diamond painting et de décrocher, exemple, là. C'est ça. Dernièrement, c'est assez difficile. J'en ai d'autres ici, des petits haches. Je suis désolée, aujourd'hui, je suis pas très, très jasante. Je suis plus songeuse. Je suis vraiment plus dans mes pensées. Mais bon, il y a des journées comme ça, hein. Et puis, c'est ça. Là, on dirait, ces temps-ci, j'ai comme un petit coup de blues un peu. Et j'ai le moral un petit peu moins haut, mais c'est pas grave, ça va revenir. Écoutez, c'est ça. Il y a des journées comme ça, il y a des temps comme ça. Mais bon, au moins là aujourd'hui, j'ai un peu là de. J'ai un peu la paix et puis je peux avancer mes trucs en silence. Ça ne durera pas longtemps parce que bébé Miko est en veille de se réveiller. Écoutez, c'est ça, je suis en veille de l'entendre bouger en haut et tout, là. Puis aujourd'hui, là, oh my god, il y a de l'énergie, écoutez. Ouf! C'est assez intense. Bon, les petites étoiles. C'est un beau vert olive. Ça ressemble beaucoup au vert de mon crayon aussi. J'en ai quelques-uns ici. Bon, j'en ai plusieurs là. Est-ce que j'en ai en série de trois? Je pourrais pas prendre vraiment mon embout. Bon, voyez-vous, j'avais une série de trois. Je pensais en avoir plus que ça. C'est pas grave. Ah, j'adore ça, l'embout de trois. Ça me sauve comme tellement du temps. Ça va comme tellement mieux, là. Oh my god. Bon. Ok. Bon, excusez. J'étais comme en train d'oublier de mettre mon chronomètre. Je l'avais parti tantôt parce que j'ai avancé la toile. Je l'ai mis sur pause le temps de sortir tous mes trucs pour faire une petite vidéo. Parce que c'est ça, j'avais pas eu le temps de l'avancer celle-là. Et puis, je voulais pas starter là où j'avais terminé ma dernière vidéo. Je voulais quand même que vous voyez une petite différence. Je voulais travailler un petit peu dessus. Et puis, c'est ça, là, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai sorti tous mes trucs, là, ma caméra et tout, pour pouvoir vous faire une petite vidéo. Donc, j'ai mis mon chronomètre sur pause. Et puis, le temps de commencer, ma petite mémoire de poisson rouge a fait un reset. Et puis, j'ai oublié de peser sur start sur mon chrono. Mais bon, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Et moi, ça m'arrive souvent. C'est pas grave, je suis habituée maintenant. Bon, écoutez, j'ai la gorge sèche. Ah, puis ces temps-ci, là, je rush avec mes allergies et tout, là. Oh my god. J'ai vraiment de la misère. Ah, rien de mieux qu'un bon café. Bon, je vais avancer un petit peu de blanc ici. Je vais pouvoir en faire avec mon super embout de trois. Et c'est ça que je disais là, ces temps-ci, je rush vraiment beaucoup avec mes allergies. Écoutez, je me lève le matin là, et puis j'ai le nez là, je suis congestionnée.
Je tousse pas, je m'étouffe, littéralement, là, je suis comme étouffée ben dure, je suis là, puis voyons, tu sais, parce que j'ai tellement comme la gorge sèche. Ah non, c'est vraiment, là, c'est pas très, très agréable, là, ces derniers temps, là, le matin, quand je me lève, là, j'en ai comme pour quelques minutes, là, que c'est ça, je rush ma vie, là, après ça se place, c'est moins pire, là, mais oh my God. Il y a des matins, c'est ça, c'est difficile. Puis là, je reste que c'est ça, j'ai comme la gorge un peu sèche. Donc, vous le voyez, là, ma voix est pas tout à fait. Je viens comme, on dirait, j'ai la voix enrouée, mais c'est vraiment juste parce que j'ai la gorge sèche. Donc là, je suis là, puis je vous parle dans les vidéos, puis je suis comme. Ne vous en faites pas, je n'ai pas la grippe, je n'ai pas le COVID. non, rien de ça, là. Je fais très attention et tout, là, parce que, bon, je suis quand même en santé, mais on sait jamais. Hein? Avec mes allergies, mes poumons sont pas top coche, parce que, bon, je suis allergique aux chats, j'ai des chats, hein? C'est ça. C'est un peu aussi une des raisons, là, que, bon, mes allergies sont quand même fortes, là. Il y a des fois que les chats viennent sur moi dans la nuit, là, pendant que je dors, Cachou vient se coucher sur moi ou bien Minnie. Donc là, je me lève le lendemain matin. Écoutez, je suis toute congestionnée. J'ai de la misère avec mon nez et tout. Je suis comme ah! Puis on dirait que je le sais, hein. Ces matins-là, je suis comme ah! C'est sûr que les chats sont venus sur moi. Des fois, je m'en rends comme pas compte. Tu sais, je dors comme tellement dur que j'en ai comme pas connaissance. Des fois, c'est ça. Je me rouvre les yeux puis j'ai dit Minnie là, qui est tellement collée sur moi. Là. Alors, on dirait qu'elle a peur, que je sais pas. Là. Elle me surveille. Bien sûr que maman fasse pas des cauchemars. Non, je dis ça, je fais des blagues, là, mais je sais pas, on dirait, comme là, puis elle me fixe, là, elle me regarde dormir, là, puis là, elle est couchée sur moi, là, puis là, elle attend. Elle attend que je me réveille, là, si je me réveille, après ça, je me rouvre les yeux, ben là, elle se met à ronronner, puis là, elle est comme contente, puis oh, et c'est, elle est spéciale, elle me fait rire. Mais c'est le fun aussi. Je me réveille, puis elle est comme collée sur moi, elle est comme contente de me voir, elle est comme, ah, oh, bon matin, maman. C'est le fun. Puis en plus, elle est toute petite, fait qu'elle n'est pas pesante. C'est pas comme Cachou qui vient sur moi là, pendant que je dors, exemple. Là, écoutez, 20 livres là, sur deux petites pattes grosses comme ça. Là, des fois, j'ai des bleus sur les cuisses. Hein? Puis j'ai pas besoin de chercher à savoir où est-ce que ça sort, ces bleus-là. Des beaux petits bleus ronds, là. Ouais. Je sais que parce que moi, on me donne une pichenote, exemple, tout, puis je vais faire un bleu. Là. Je fais des bleus à rien. Et puis, c'est ça. Avec Cachemire qui vient sur moi des fois dans la nuit, là. Oh my God. Après ça, là, ouais, j'ai des petits bleus dans le côté des cuisses, là. Parce que son poids est comme sur les mêmes petits ronds de pression. Oh ouais. Et puis, des fois, là, il me réveille dans la nuit, puis je suis là, hey, tasse-toi, je vais avoir encore un bleu. Mon chum trouve ça tout le temps assez drôle quand que je dis ça parce qu'il sait que je marque à rien. Puis il sait que c'est ça. Lui, s'il reste là 5 minutes, là, les deux pattes d'en avant sous moi, tout son poids, parce qu'il est comme pas sûr s'il s'en vient sous moi ou s'il s'en va ailleurs. Ou c'est ça. Quand il niaise, là, oh Seigneur. C'est officiel le lendemain que j'ai un bleu. Des fois, mon copain, il est là. Pourquoi t'as un bleu, là? Comment ça que t'as ça? Où c'est que tu t'es fait ça? Hein? Puis souvent, je pars arrêt. D'après toi, hein? Un petit bleu rond de la grosseur d'une patte de chat. Je me demande bien comment ça que j'ai ça. Puis là, je parle de Cachou. Il est couché juste en avant de moi, juste au côté de la caméra. Vous le voyez pas, mais là, comme le bout. Il est couché, mais il y a le bout des oreilles là, qui ting, 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 qui bouge un peu, là. Il sait. Hein, mon chat? Tu sais que maman parle de toi? Oui, mon bébé. Oh, il réagit comme un peu, il sait. Il me fait rire. Mais il bouge pas parce que là, c'est l'heure de la sieste, là. C'est trop d'efforts à lui demander, là. C'est pas drôle, je vous dis que c'est pas drôle, la vie d'un chat. Surtout nos chats, là. Et je vous dis, ils ont une grosse vie difficile. Non, il y a un petit résidu. Bon, tant qu'à faire, hein, je vais vider ce que j'ai dans mon plateau.
Est-ce que vous l'avez essayé à la maison? L'embout là, de trois ou de plusieurs? Ou... Est-ce qu'il y en a qui ont essayé ça? T'sais, puis quand je dis essayer, là, je veux dire persévérer. Pas juste essayer 4-5 fois, puis ah, tu sais, ça place pas bien. Ah, je suis pas capable. Ah, c'est croche. Non, non. Moi aussi, au début, j'ai sacré un peu, puis je me disais méchante cochonnerie. Mais on finit par pogner la twist. On finit vraiment par s'habituer. Puis moi, je trouve tellement que ça va bien, là, comme justement des ondes comme ça, là, que genre, c'est beaucoup de la même couleur, exemple, là. Je trouve que ça va bien. J'ai pas essayé les plus gros embouts, tout simplement parce que, bon, j'ai pas fait de grandes toiles encore, donc je vais plus essayer lorsque je vais vraiment faire des grosses toiles. Et puis, pour l'instant, j'ai pas de... Non, toi, viens ici, c'est un blanc pareil. J'ai pas mon gros plateau, j'ai commandé un plus gros plateau, donc pour les plus gros embouts, ça va aller mieux, sinon je vais tout attendre de racheter des diamants. Mais c'est ça, j'ai vraiment très très hâte, là, de le recevoir, mon plateau, pour pouvoir essayer, là, essayer des embouts plus larges. Là. Exemple, là, comme le stylet là, que Anne-Sophie m'a fait là, dans notre swap. Regardez, là, il en rentre vraiment plusieurs. Je ne sais pas exactement combien il peut en avoir. Là, 3, 6. D'après moi, il en rentre 10. Ouais, il y aurait de la place pour 10 diamants environ. Écoutez, je vais le calculer. On va le savoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Il rentre vraiment 10 diamants. Donc, tu sais, à coup de 10, là, tourne, 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 ça va vite, mais c'est ça. Je veux vraiment. Je veux me pratiquer un peu pour être sûre et certaine là, que ça va bien aller. Mais à date, j'ai quand même. Ça va bien avec l'embout de 3. Mais c'est ça, lorsque j'aurai des grandes toiles, là, je vais sûrement essayer l'embout de 10. Là, je suis très curieuse. Puis là, je regarde le stylet à Anne-Sophie. Puis à toutes les fois, je suis comme, oh mon Dieu, qu'il y a de l'air bon. Ouais. Elle appelait ça une création gourmande. Écoutez, je comprends pourquoi. Parce que la gourmande en moi est comme, ah, ça a l'air bon. Donc, voici les petits P. Une teinte de beige. Bon. Regardez, c'est ça. Ça va vraiment quand même plus vite, là. Avec l'embout de 3. Puis moi, je trouve pas que ça les place croche du tout. Moi, j'ai... En tout cas, j'ai pogné la twist. Ça va vraiment bien. Moi, je trouve que ça me sauve du temps quand même, là. C'est vraiment... Non, je trouve que ça va mieux. Moi, je l'ai remarqué, exemple, que je vais avancer, là, une zone justement comme ça, là, qui a beaucoup de blanc, là. Écoutez, là, juste en 15 minutes avec l'outil de 3, la quantité que je peux avancer, c'est fou. Ça fait vraiment une différence. Faudrait que je vous fasse, ça me donne une idée comme ça, là, je viens de penser à ça. Faudrait que je vous fasse comme une vidéo, exemple, là, 15 minutes, là, une zone, là, toute la même couleur. Et puis, exemple, bon, je fais un 15 minutes, tu sais, je ferais, mettons, deux carrés distincts. Puis, exemple, là, je ferais un 15 minutes normalement à un de la shot, voir la grandeur que je fais. Et puis, je ferais un 15 minutes avec l'embout de 3. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo test. Comme ça, on pourrait voir combien de temps et tout que ça prend, là. Vraiment, là, combien de temps que je sauve et... je serais assez curieuse de voir ça. Je serais vraiment. Ça me donne comme. C'est ça. Je vous parle là, puis ça me donne vraiment une bonne idée de vidéo là, à faire là. Je crois que je vais faire ça. Je vais tester, puis lorsque je serai plus habile avec des embouts plus gros, eh bien, c'est ça. Je préfère d'autres vidéos comparatives là. Là, présentement, c'est ça. Ça va bien avec l'embout de 3. Bon, des petits P, j'en ai ici aussi quelques-uns. Tiens, pourquoi pas venir les poser? Je vais en mettre juste quelques-uns. Tiens.
Et si ça va bien. Wow. Merveilleux. Bon, je vais venir compléter là, un peu plus ce petit coin-là. Je vais y aller avec des petits G minuscules. Bon, je crois que je suis due pour une autre gorgée de café, hein? Les petits G majuscules, excusez, les G minuscules, c'est un brun. Un beau brun. Bon, j'en ai ici. Merveilleux. J'en ai pas beaucoup. Voilà. Question de devenir un petit peu plus égaliser ça. Et puis je vais pouvoir éventuellement raccourcir mon plastique sur ma toile, là. Ça, là, c'est une des parties que je préfère parce que ça signifie que ça avance dans ce temps-là. On dirait, là, c'est comme un accomplissement, là. Tu sais, là, quand que je suis rendue, là, à couper ma toile, là, ça, c'est signe que mon diamond painting y a bien avancé. Bon, les petits G. Ensuite, j'aurai les petits. Ici, une autre teinte de brun. Déplacer un petit peu pour pouvoir me servir de mon embout. Comme ça. J'en aurai une autre de trois ici, comme ça. Et bien. Bon. Est-ce que j'en ai d'autres proches? Non. J'aurais un petit U. Les petits U, c'est une teinte de brun, là, vraiment chocolat au lait, là, vraiment un petit brun plus pâle. Donc j'en ai seulement besoin de un, comme ça ici. Maintenant, j'ai des. C'est pas des parenthèses, là. C'est plus comme carré. Voici la super couleur, une belle teinte de orangé. Comme ça. Bon, les autres, ça va être par ensuite, je vais aller prendre les petits égales. Ça, c'est un beau jaune. Mais jaune un peu qui tire sur du vert. C'est vraiment là, ouais. Petite couleur pastel. Oh, il y en a juste deux qui ont collé. Bon, bon, bon. Ici, puis j'en ai un petit peu ici de ce côté-là. Tant qu'à les avoir de sortie, tiens, ça va être fait. Voilà. Ça va, mon petit cachou?
Il a comme fait le saut parce que j'ai frotté le petit plateau sur la toile. Énervé, mon bébé. Il se recouche et on fait pas de cas. Bon, merveilleux. J'aurais des petits hacks. Ce qui est un orangé. Belle couleur là, qui fait automne, je trouve. Parfait. J'en avais pas beaucoup à faire. Maintenant, j'aurais un petit point d'interrogation. C'est une belle petite couleur corail comme ça. Donc, j'en ai seulement besoin de un. Maintenant, j'aurais les petits signes de pourcentage qui est un petit mauve. Ça aussi, j'en ai juste quelques-uns ici et là. Comme ça. Et puis, bon, je vais en faire quelques-uns ici en haut. Parce que je vais venir faire des petits H ici. Question que hein, ça finit juste un petit peu plus droit ma toile. C'est plus. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est mes tocs à moi. Je vais les finir, les petits mauves. Et puis, le dernier, où est-ce que je le mets? Tiens, ici. Bon, je vais aller chercher des petits haches, qui est un vert kaki. Belle couleur kaki. Donc, les petits haches. Je vais y aller avec mon super en bout de 3. J'en ai quelques-uns que je vais être capable de venir poser. Donc ça va toujours faire ça de moins à faire. Hein? Merveilleux. Bon, je viens d'entendre bébé Miko en haut là. Il est réveillé, donc. Je vais aller le chercher. Il doit avoir faim. Je vais le faire boire. Parce qu'il est encore au biberon, mais il est vraiment attiré par la nourriture, là, la moulée sèche et tout, là, les insectes. On va à l'extérieur et puis il mange des insectes. Il est allumé là-dessus. Donc ça, c'est merveilleux. Écoutez, c'est quelque chose là, qui peut lui sauver la vie, si on veut, là, des insectes là, à l'extérieur, dans le bois, là, tu sais. C'est vraiment ça, je suis super contente qu'il en mange. Même que j'avais un petit perce-oreille sur le rebord d'une fenêtre dans la maison, un bébé perce-oreille, parce qu'il était tout petit. Là, je l'ai fait sentir à Miko, puis tout de suite, Miko l'a mangé. Donc, j'étais vraiment contente. J'étais là, hey, yeah. Ça, c'est vraiment, c'est très, très, très bon signe qu'il soit allumé comme ça sur les insectes. Donc, je vais tout simplement finir là, mes petites parenthèses ici là, avec mon petit beige. Là, ça me fatiguait. Ce petit coin-là, là, il m'énervait. Bon, j'ai pas d'autres petites parenthèses proches. Parfait. Écoutez, j'ai quand même fait un petit bout encore. Ça s'en vient bien. Je crois que je vais faire un petit peu de blanc avec mon super en bout de 3. Et en faire une petite affaire. Juste parce que, bon, ça va tellement bien. Ça avance comme tellement vite en plus. C'est le fun.
C'est ça. Donc, ça va super bien avec bébé Miko. Vraiment, là. Dehors, là, il est très, très, très allumé, là. Dans la nature et tout, là. Il taponne tout. Et il y a des journées, là. Oh my God. Il y a de l'énergie. Comme aujourd'hui, il fait pas super beau, hein. Et il était tannant, là, aujourd'hui, là. Oh là 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 là. Il y en a dedans. Vraiment, là, ouais. Il est très, très, très en forme. Puis c'est tellement ratoureux aussi, un raton, là. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. On en rit une shot. Des fois, là, ouais. Et là, là, je vous dis. Il pleure pas, je l'ai juste entendu faire du bruit. Fait que ça veut dire qu'il est réveillé là, puis il joue là, dans sa chambre. Parce que c'est ça, il y a plein de jeux et tout. Écoutez, il est vraiment. Il est bien, là. Il a une pièce à lui tout seul, là. Puis c'est pas une petite chambre. Il a une grande chambre à lui, là. Il y a des jeux. Il y a. C'est comme des tunnels, là, en tissu. Il y a une petite tente avec plein de balles. Écoutez, il y a quelque chose à s'occuper amplement. Donc, c'est sûr, quand il se réveille, là, je l'entends là, jouer et tout, et taponner dans sa chambre. Je l'entends pas pleurer, là. Vu qu'il y a tellement de choses pour s'occuper, là, tu sais, c'est sûr. Il n'est pas tout de suite là, à chigner pour vouloir sortir. Donc, ça me donne un petit peu de lousse des fois là, pour bon, préparer le biberon et. Être sûr là, que parce que là il joue dans la fontaine d'eau pour les animaux pour boire là. Puis il met de l'eau partout donc j'ai comme mis une grosse boîte, j'ai comme condamné la fontaine lorsque il est sorti et tout là parce que l'autre jour en plus il a fait pipi dedans donc j'ai tout été obligée de tout laver, tout désinfecter, changer les filtres. J'ai comme été obligée de remettre la fontaine à neuf si on veut là, dans un sens et puis je me suis dit que non, je ne ferais pas ça tout le temps. C'est pour ça que là, il est comme trop tannant avec la fontaine. La fontaine est condamnée lorsque il est sorti. Donc, quand il est dans sa chambre, qu'il fait dodo la nuit et tout, là, les animaux ils ont accès à la fontaine, là, mais lorsqu'il est sorti, la fontaine est condamnée. Parce que c'est ça. À un moment donné, c'est ça, je garde pas les filtres. T'sais, je pourrais rincer et laver, mais je sais pas. Les filtres qu'il y a dans les fontaines d'eau, je sais pas. J'aurais comme l'impression que c'est pas assez nettoyé, qu'il pourrait rester peut-être des bactéries, ou je sais pas. Je fais comme pas confiance à ça, fait que. Ça, c'est vraiment moi, là, qui décide, là. C'est vraiment moi, là, qui a comme tout changé les filtres et tout. Puis. Je sais que ça pourrait être nettoyé, que ça pourrait être désinfecté, que tu sais, je pourrais garder les mêmes filtres, mais on dirait que je sais pas. Quand même, j'aime pas ça. Et puis, c'est du pipi, là. Là, c'est parce que les animaux boivent, là. Donc, c'est pour ça que j'ai comme tout remis à neuf. Puis là, je me suis dit, hey, c'est pas vrai que je vais changer les filtres 3 fois par semaine, là. On s'entend, là. C'est quand même pas donné, les filtres pour ça et tout. C'est pour ça aussi que je me suis dit, bon, là, va falloir trouver. Une façon, je la porte dans le bain, là, puis il joue dans l'eau, il est heureux comme un petit poisson dans l'eau. Il n'y en a pas de problème. Donc, c'est pour ça que je me dis que, tu sais, ça ne s'ennuie pas tant que ça que je condamne la fontaine, parce que vu que je la porte dans l'eau, tu sais, il boit de l'eau amplement, il boit du lait, donc, tu sais, il y a du liquide en masse, là, il manque pas d'eau, là. Quand que je la porte dehors, quand il fait chaud, là, puis qu'il se met à jouer dans l'eau aussi, là. Et là, là. Il en boit beaucoup, là, aussi, là.
C'est pour ça que je me permets là, de condamner les fontaines. J'en avais deux. Puis là, il y en a une qui est en céramique. Celle en céramique, j'aime un petit peu moins qu'ils jouent avec et tout. Donc, elle, je l'ai complètement enlevée, je l'ai lavée et puis je l'ai serrée. Mais les autres, pas les autres, l'autre par exemple est en plastique. Fait que je l'ai toute lavée et puis il y a une belle grosse boîte par-dessus. Donc, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas compris le principe de à quoi elle sert la boîte et qu'est-ce que ça fait s'il lève la boîte, ça devrait bien aller. Je vais terminer avec mes petits J, un petit beige. Bon, je vais me remettre de la colle. Une petite gorgée de café en même temps. Donc, j'ai mon petit pot ici là, de colle là, Diamond Dot. Écoutez, ça va super bien. Petit pot qui est refermable. Merveilleux, juste d'un bon format. Je l'adore, ce petit pot-là. Tellement, il va tellement mieux que mon autre pot que j'avais avant, là. Aïe, aïe, aïe. Puis ça, c'est des petits kits, là. J'ai trouvé ça sur Amazon. C'est un petit kit, là. Il y a deux crayons, deux plateaux, je crois, ou un plateau. Je l'ai, mon petit kit. Je vais terminer mon petit coin, là, puis je vais vous montrer ça, là. Je l'ai dans ma petite boîte à l'arrière. Bon, j'ai terminé les petits jets. Oh non, ça c'était un blanc. Ce n'était pas un beige. Donc un blanc, on a ici. C'est rien comme ça. Bon, j'ai ça ici. Attention, mon petit cachot, tu fais là ça. Oui. Donc, c'est ça ici. C'est un petit kit d'accessoires Diamond Dots que j'avais acheté sur Amazon. Donc, vous voyez, il y a deux petits plateaux gris. C'est exactement pareil que mon petit plateau blanc. Il y en a deux. Il y avait deux petits embouts orange. J'en ai un autre sur un de mes vieux crayons. Là, je ne sais plus, il est rendu où, mon crayon. Et puis, il y a deux petits pots de colle comme ça. Puis, il y a deux stylets aussi, là. Transparent, brillant. Donc, ce petit kit-là, là, écoutez, ça m'avait coûté, je crois, là, 11 ou 12 $ là. Donc, c'est en bas de 10 euros, là. Ça vaut vraiment la peine. Moi, je l'ai acheté juste à cause des petits pots de colle. C'est vraiment les petits contenants que je voulais avoir parce que la grosseur est juste parfaite. C'est tout petit. C'est pas... mon autre petit pot qui était plus haut que j'avais avant, ça allait pas bien. Ça, c'est juste la bonne épaisseur pour une colle. C'est fermé en vissant. Donc, c'est vraiment étanche. C'est pas quelque chose qui clipse. C'est vraiment, là, ma colle, elle sèche pas du tout, du tout. Et puis, en plus, c'est marqué Diamond Dots dessus. C'est du cute. Donc, vraiment, là, ces petits pots-là, là, je l'adore. Je me suis fait aussi donner un truc par une de mes abonnées. Je vais te dire un petit coucou. Allô, Joanne. Joanne, elle utilise des petits pots à maquillage d'ombre à paupières qui sont vides. Et puis, c'est un petit pot qui est vissé aussi, donc c'est la même chose. C'est super pratique. Elle m'a donné son petit truc et puis je me suis dit, là, wow! Donc, tu sais, si vous ne voulez pas nécessairement dépenser pour un petit kit comme ça, là, vous pouvez recycler là, avec justement un petit pot d'ombre à paupières ou quelque chose du genre, là. Ah ah! Bon, une bonne gorgée de café, ça fait du bien. Donc, vous pouvez voir Baby Yoda. Il est quand même avancé, mon petit bébé Yoda. Hein? Hey, écoutez, hey, j'en ai presque la moitié de fait. Hein? C'est mignon. J'ai vraiment hâte de venir m'attaquer à sa petite bête. Là. Et puis, ses grandes oreilles. Je m'approche de ça. Je m'approche. Donc, vous pouvez voir l'avancement. Je vais pouvoir couper une bonne partie ici de ma toile, là, ben de mon plastique. Donc, ça, c'est super. La belle petite bête à Baby Yoda. Sur ce, eh bien, je vous dis merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendamment à l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et puis, on se dit à demain. Sinon, écoutez, je vous ai pas mal tout dit qu'est-ce que je voulais vous dire. J'entends Baby Miko en haut, là. Mon petit raton, là, qui...
qui bouge un peu là, il fait du bruit, donc ça veut dire que tu peux bien réveiller, donc je m'en vais m'en occuper là. Ça serait l'heure du souper, mais on a dîné tard, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller jouer dehors là, avec le raton. Il a mouillé aujourd'hui. Il y a eu quand même une bonne partie de la journée qui a eu de la pluie. Donc par terre, ça va être trempe un peu. Donc c'est sûr et certain que bébé Miko, il va triper, là. Il va avoir du fun là, dans le gazon trempe et tout là. Donc, c'est ça. Sur ce, écoutez, on se dit à demain. Et puis, merci encore tout le monde d'écouter mes vidéos. Merci énormément. Merci du fond du cœur là, de tous les beaux commentaires que vous me laissez et tout, là. Ça me fait vraiment du bien. C'est vraiment très, 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 très apprécié. Donc, je vous l'ai dit tantôt lorsque je faisais mon diamond painting, mais je veux vous le dire de face. Je veux vraiment là, vous remercier. Donc, on se dit à demain. Bye tout le monde.